Salut et bienvenue sur cette vidéo un peu spéciale qui n'était pas du tout prévue où j'ai réussi à me faire réserver un coffret Dracaufeu Ultra Premium et je vais aller le chercher. Je suis pas sûr de pouvoir le récupérer. Du coup, on se retrouve dans quelques instants avec moi, Omer, sur votre chaîne Booster Pokémon. Salut et bienvenue sur cette vidéo. On va aller chercher notre coffret Dracaufeu qu'on a réussi à faire réserver à un Auchan. Donc on n'est pas sûr parce que le gars il a mis notre nom dessus, mais on ne sait pas si on va vraiment le récupérer. Donc on va voir ça les amis. Je suis super enthousiaste, je suis super excité. C'est vraiment incroyable d'avoir réussi à le réserver une semaine, plus de 10 jours même après sa sortie. C'est incroyable. On va voir si on va pouvoir le récupérer. Bon, là, ça fait à peu près 40 minutes qu'on est sur la route, les amis. Il me reste à peu près encore 40 minutes et 30 km de trajet. Mais c'est pas grave. J'espère que je vais avoir le coffret. Je vis plusieurs sentiments en même temps parce que j'ai peur d'arriver et qu'on me dise que le coffret il a été vendu. Donc, j'ai une certaine angoisse en moi. Et en même temps, je suis super content. J'ai des palpitations au cœur. J'ai le cœur qui bat 1000 à l'heure. C'est incroyable après avoir demandé auprès de 1000 magasins et après avoir subi 1000 refus, j'ai réussi à réserver un coffret, mais juste par téléphone. Hein. Il n'y a rien d'officiel, donc il y a juste écrit mon nom dessus. Je dois pouvoir le retirer dès que j'arrive en magasin. On va voir les amis. Là, clairement, il nous reste 25 minutes et à peu près 20 km de trajet. Et l'angoisse ne fait que d'augmenter, l'excitation aussi. Je vous promets, c'est aussi excitant que d'ouvrir des boosters, voire plus excitant. On n'est plus qu'à 10 minutes et à 6 km de notre objectif. Et l'angoisse, elle est toujours là, un peu plus détendue. Mais vu qu'on arrive à la destination, j'espère vraiment qu'on va avoir notre coffret. Verdict très bientôt les amis. Bon, on n'est plus qu'à 10 minutes de notre objectif et j'espère vraiment qu'on va l'avoir, ce magnifique coffret. J'allais dire un petit gros mot, mais bon, on va se calmer et verdict très bientôt les amis, hein. À très bientôt, on va voir ça. Bon, je suis arrivé à destination les amis, verdict tout de suite. À votre avis les amis, est-ce que c'est le coffret ou c'est un petit lot de consolation parce qu'on a fait autant de trajets, on peut pas repartir les mains vides. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre avis avant d'avoir la réponse, s'il vous plaît. Bon, là, vous avez déjà la réponse à peu près. Hein. Et oui, les amis, on l'a eu. Et oui, c'est bien le coffret ultra premium. Après tant de persévérance, on l'a eu. On se retrouve à la maison pour en parler un peu plus davantage. Bon, comme vous l'avez vu les amis, on a réussi à récupérer notre coffret Dracaufeu. Je suis super content et j'en crois pas à mes yeux parce que 9 jours après sa sortie, alors que même le jour de sa sortie, on galérait pour le trouver, j'ai réussi à en récupérer un. Je suis trop 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 content. Je peux même pas vous dire à quel point. C'est trop 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 génial. Par contre, je pense que c'est un item qui vaut mieux garder scellé. Il est bien plus beau comme ça. Il a beaucoup plus de valeur comme ça. Juste l'ouvrir pour récupérer les cartes promo, j'en ai pas besoin parce qu'elles sont déjà à l'intérieur. Je sais déjà qu'elles sont à moi. Donc il n'y a pas de raison d'ouvrir cet item pour pouvoir récupérer les cartes promo. Après, le tapis, il n'est pas fou fou fou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'intérieur? Bon, il y a les dés, tout ça, il y a les jetons, mais c'est pareil, ils sont à moi, ils sont à l'intérieur. Donc il n'y a pas de raison de l'ouvrir pour ça. Les boosters qu'il y a à l'intérieur, sincèrement, c'est des boosters assez récents. Donc pour l'instant, je vois pas l'intérêt de pouvoir d'ouvrir tout ça, alors qu'on peut aller acheter des tripacks, des displays, tout ça de ces boosters-là. Et pense vraiment que c'est un item à garder scellé. Donc voilà les amis. Il y aurait qu'une seule raison que je puisse l'ouvrir.
C'est que j'ai plusieurs abonnés qui me demandent à l'ouvrir. Bah, peut-être que là, pour leur faire plaisir, pour vous faire plaisir, eh bah, je pourrais l'ouvrir. Là, il n'y aura pas de souci. Mais il a déjà suffisamment été présenté. On sait déjà qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, du coup, si j'aurais eu le deuxième dès le départ, je l'aurais ouvert parce qu'il fallait que j'en garde un scellé quand même pour moi, pour ma collection. Voilà, avec son grand frère, le Célébration. Je dis grand frère, mais en vrai, quand vous avez les deux, l'un à côté de l'autre, vous pouvez voir que ce que vous le voyez, en fait, Ah voilà, on va le mettre comme ça, là vous allez voir. Le coffret Dracaufeu est bien plus grand que le coffret Célébration. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo où j'ai trouvé une demi-display avec trois boosters qui ont été vendus à l'intérieur. Et il m'en reste 15 pour moi. Donc, je vais tenter ma chance avec ce demi-display pour avoir mon Lugia V alternatif que je n'ai toujours pas eu. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ouverture déballage de boosters Pokémon. Ciao, ciao!